De la lettre aux Galates. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour satisfaire votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. Car toute la loi atteint sa perfection dans un seul commandement, et le voici: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde. Vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Alors, vous n'obéirez pas aux tendances égoïstes de la chair. Car voici ce que produit l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses tendances égoïstes. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit.